Allez, salut tout le monde. On est le 2 avril. Je suis en train de terminer le premier tour d'engrais sur Fix. Donc, je vous l'avais vu la semaine dernière en vidéo. J'avais commencé. Ensuite, vous avez pu voir qu'il a reneigé. Donc, pas besoin de faire un dessin. Ça nous a bien repoussé. Depuis la semaine dernière, du coup, on a repris 60 mm de flotte. Donc, c'est très, très, très mouillé par endroits. Là, ça vient de s'enfoncer un peu. C'est très mouillé par endroits. Avant qu'il repleuve ce week-end, samedi après-midi, j'ai planté la tonalisier. Je vous mettrai un extrait juste après. Vous l'avez vu sur le réel Instagram que j'avais posté. D'ailleurs, ceux qui me demandent, ma page Instagram, c'est AgriboFix, comme sur YouTube, ceux qui veulent me suivre. Voilà. J'essaye de poster des stories et quelques publications régulièrement. Donc, très mouillé, il a fallu vider sur place. Un enfer. Il a fallu que je me fasse tirer. C'était sur une prairie nouvelle. J'étais passé un premier coup à vide, voir comment ça marquait. Aucune trace de la tonne, bien sûr. Malgré le poids de l'ensemble à vide, ça n'avait pas marqué. Et quand je suis revenu à plein, hop, tout s'est enfoncé. C'était formidable. Du coup, je pense que le sort de la prairie qui va lui être réservé, ça va être un coup de charrue au printemps pour y faire un maïs, parce que ça a bien massacré. Et donc voilà. Bon, je vous prends, c'était pas prévu que je vous prenne, je vous filme que au téléphone parce que j'ai pas la GoPro. Voilà, le chantier là, de l'après-midi, pile poil avant d'aller traire, tout va bien, nickel. Le souci c'est que je ne savais pas que c'était mouillé, mon oncle non plus ne savait pas que c'était mouillé à cet endroit. Et je suis arrivé et ça s'est posé, voilà, tac. Ça s'est posé là et puis voilà. Donc tout à l'heure, je m'étais enterré par là-bas à vide. J'ai réussi à ressortir un coup de rouleau, deux, trois coups de pelle et ça sera bon. Et là, le souci, c'est que je suis plein. Et que c'est la merde parce que la tonne, elle est vraiment bien enterrée. J'espère qu'on va réussir à sortir. Allez, je vous ferai voir ça tout à l'heure, mais là, je vous parle avec le sourire, mais ça me fait bien chier, c'est une prairie nouvelle. J'espère qu'on va pouvoir sortir. Je me suis enterré aussi en début d'après-midi, enfin, plus enfoncé qu'enterré, parce que je me suis sorti sans trop de difficultés dans une céréale. Pareil, je ne savais pas que c'était mouillé. Franchement, on n'a jamais eu... Enfin, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas vu un printemps aussi mouillé. Donc, il faut faire avec, hein. Ma foi, il n'y a pas le choix de toute façon. Heureusement, on avait fait beaucoup de semis d'automne en simplifié. Et dans ces parcelles-là, ça porte beaucoup mieux quand même. Voilà. Donc là... J'arrive dans une parcelle de dérobé, donc là où il y aura un maïs l'année prochaine. C'est un essai dans cette parcelle, c'est une parcelle surfixe. Bon, elle est bien exposée, donc normalement ça devrait faire, la terre est assez bonne. Donc là, je vais faire un seul passage, je vais marquer à 250 kg hectare, donc en un mot 33,5. Donc voilà, on aura fait des essais, les parcelles de fixe en un seul passage, parcelle de Sainte-Eugénie de Villeneuve, deux passages. Donc on verra comment ça pousse le plus vite, s'il y a de la différence. Et là aussi, on va venir mettre un coup de lisier
Donc on est un peu submergé avec le lisier, ça n'avance pas trop comme on veut. Donc là j'ai l'épandeur d'engrais, il y a quelques jours de soleil avant qu'il repleuve, donc j'en profite de faire l'engrais, comme ça c'est réglé, parce qu'après il va falloir attaquer de passer le rouleau de nouveau. Donc tant pis si c'est pas tout dans le même ordre, mais voilà, on fait comme on peut. Bon allez, je change ma dose, tac, et on y attaque. Je vous fais 2-3 vues de drone dans la parcelle. La parcelle s'y prête bien, le point de vue est plutôt sympa, donc j'en profite. Bon allez, on se prend le lendemain, donc j'ai pu finir l'engrais, donc tout le premier passage, plus les métailles que j'ai fait en un seul passage sur fixe, hop là. Donc la semaine prochaine, ils annoncent mardi de la pluie, donc lundi je vais essayer de faire le deuxième passage sur les métailles, sur les dérobés de Villeneuve. Et également quelques régras qui ont bien poussé, donc pas les freiner dans la croissance. On mettra le deuxième passage, comme ça il annonce en plus une belle semaine. Normalement la semaine prochaine, pas de température froide et tout, donc ça devrait aider à faire pousser. Donc aujourd'hui ben, c'est lisier, il en reste encore 1,60 m largement, je dirais, dans la fosse. Normalement, demain, on doit tourner à 2 tonnes pour en avancer un peu, parce que ça devient vraiment long, là, l'histoire. Hier après-midi, la tonne était en panne, donc elle a été monopolisée une bonne partie de l'après-midi. Mon père n'a pas pu en faire beaucoup. La vidange montagne qui marchait plus, donc il a fallu bricoler des interrupteurs et tout. Bon, ça remarche, c'est cool, mais voilà, c'est toujours de la perte de temps et c'est toujours, ça fait toujours aller quoi. Donc demain, moi je pense, avec la grosse tonne, je vais essayer d'en faire pas mal sur Villeneuve. Donc il faut le temps de descendre, il faut le temps de remonter. Donc je descends par l'ancienne 102, donc déjà ça évite d'être tout le temps sur les freins, puisque c'est une route sinueuse, il y a moins de 2% de pente que la nouvelle. Par contre, je remonte par la nouvelle et là, par contre, ça va, le tracteur, on peut rouler plus vite et ça se coud moins. Donc, il y a vraiment de quoi faire encore. Niveau lisier,
On va bien essayer de finir pour vendredi, mais ça risque d'être compliqué. Heureusement, on a le matériel quand même adéquat et qui en avance un peu, parce que l'autre jour, quand on a attaqué ça qu'avec la 12 000, il n'aurait pas fallu sortir toute la fosse comme ça, parce que ça aurait pu être très très long. Donc voilà, mon père, lui, il ramasse des branches dans les champs, des branches qui étaient tombées avec la neige et le vent l'autre jour. Et mon oncle, il finit de passer la herse de prairie. Demain, il devrait attaquer le rouleau, je pense, enfin, continuer le rouleau. Et il y a des endroits, il y a un peu des rats, des taupes, tout ça, donc... Il veut essayer de les piéger, donc déjà faut commencer par passer un coup de rouleau pour voir où c'est que ça bouge. Puis voilà. Voilà, voilà. Donc sinon, niveau lisier, bah, toujours pareil, hein, on met 2,5 tonneaux à peu près à l'hectare. Ça fait à peu près un 45 mètres cubes, 40 mètres cubes. C'est pas très précis, quoi. L'objectif, c'est de vider la fosse et d'en mettre assez quand même. Il y a des parcelles, en plus on peut pas passer, ça s'enterre, donc non, c'est un peu compliqué. Ça se fait pas aussi bien que les autres années, vous voyez. Bon allez, j'arrive, je vais vider, remonter. Tout à l'heure je vous ferai quelques vues de drone, et puis voilà. L'avantage, voilà, de la grosse tonne, ben, quand on va loin, on se déplace déjà pas pour rien, quoi. En plus, elle se remplit assez vite. Je préfère faire le lisier que du fumier. Il y a moins de temps mort. Là, déjà, il n'y a pas besoin de descendre du tracteur et tout, d'un voyage à l'autre. Non, c'est pas du mauvais boulot, mais au bout d'un moment, c'est languissant quand même. Donc là, je suis sur une prairie naturelle. On n'avait pas eu de fumier pour y mettre. L'herbe déjà est bien avancée. Hier, on a passé la herse un peu tardivement, mais bon. Donc là, il y aura eu le passage de lisier. Et puis, ce sera pas mal. Allez, je vous reprends après. A couple hundred miles away. Denying that something has changed. You're blaming me too complicated. But I will never stay the same. So I will drive and drive and drive and drive. Baby, just so I can make it through the night. Yeah, I will drive and drive and drive and drive. So we can try to make it simple. Try to talk about what's on our mind. Toujours sous le soleil et dans le caca. Alors là, ce coup-ci, on en aura bouffé. Hein. Donc hier, j'ai fait 9 tours à Sainte-Eugénie de Villeneuve dans l'après-midi et un peu la soirée. Donc bien content de moi. Et aujourd'hui, ça barde. Ça barde, on est avec les 2 tonnes. Moi, je suis en train de finir à Villeneuve.
Je viens de mettre la masse sur l'action, là on va aller faire une parcelle qui penche, qui monte surtout. Je vous sortirai le drone, ça peut faire des vues assez sympas. Donc je vous ai pas trop pris parce que bon, c'est quand même... c'est cool à faire, mais en vidéo c'est un peu répétitif quoi. Je vais pas tout le temps vous faire des vues de cabine et des vues de drone. Donc là je suis dans du seigle, il est plutôt joli, c'est le dernier moment pour passer avec du lisier. Bon, ça aplatit la culture, hein, comme vous vous en doutez, mais le fait que les pneus soient larges quand même, ça coupe pas la feuille. Les pneus sur la tonne, ils sont vraiment bien là, c'est les cargos X-Bib, je crois, un truc comme ça, là, de chez Michelin. Ils ont l'inconvénient de se remplir un peu dans la terre, mais sur culture, sur prairie et tout, ils abîment beaucoup moins que les alliances un peu sur les montes classiques quand vous pouvez connaître sur de la benne ou de la tonne qu'il y a sur la Josquin. Et en parallèle, mon père est avec la Josquin, donc la 12000 et l'Arion de la Cuma. Mon oncle passe le rouleau. Tout à l'heure, on a été tous les trois autour du bâtiment. J'ai fait quelques prises de vue au drone, mais pas évident pour avoir tout le monde dans l'objectif. Ça tourne un peu dans tous les champs. Donc mon oncle, lui, il passe le rouleau sur les dérobés. Pas partout, uniquement là où il y a des tops et des rats qui ont travaillé, parce que bon, c'est pas trop cool pour les faucheuses et pour la qualité du fourrage après, et il va essayer d'en piéger quelques-unes je pense après, histoire que ça tienne un peu propre les parcelles. Voilà, moi j'arrive à Villeneuve, donc le site est à 5-6 km de la ferme, donc il faut le temps de descendre, mais ça se fait bien. Bon, aujourd'hui, grand soleil, on est vraiment bien. Vous voyez, je suis de nouveau en t-shirt. La petite clim, pas trop froide parce qu'après on tombe malade. Et puis voilà, ça va pas mal. C'est pas du mauvais boulot. Hein. L'action, il est vraiment top là, pour faire la route, franchement. Là, il y a un peu de descente. Ça tourne. Donc je conduis principalement à la pédale moi, je relance le tracteur à la pédale tout le temps et je le fais retenir avec le petit C-Motion, là, je sais pas comment ils appellent ça, et le tracteur ça retient vraiment, en classe. Et Arwan peut vous le confirmer, mon père peut vous le confirmer aussi, mais franchement, c'est un tracteur, l'Arion c'est pareil proportionnellement à la taille du tracteur, mais l'action il retient vraiment, moi je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires pour ceux qui en ont, mais c'est un de ses gros points forts, de retenir dans les descentes et tout. C'est un vrai confort d'utilisation, je trouve ça. Pas avoir tout le temps besoin de freiner, de tenir le tracteur avec les freins. Et c'est vraiment la transmission là, qui retient. C'est pas du frein d'échappement ou quoi que ce soit. Hein. Bon allez, j'arrive à ma parcelle, je vous sens le drone.
Bon, mais voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc hier, je vous ai fait des images également de l'après-midi. Donc je vous mettrai ça pour finir la vidéo. Voilà. Toujours pareil, du lisier, ça a été l'objet principal de la semaine. On n'a pas fini de vider la fosse encore, il reste à peu près 80 cm. Mais je pense qu'on va se faire une violence lundi avec Erwan. Cette semaine, on ne l'a pas eu, il était en vacances, il ne venait pas chez nous. Donc, semaine prochaine, lundi, on va essayer de finir ça, comme ça on n'en parlera plus, parce que depuis le temps qu'on en sort, on commence à en avoir la dose, là. Donc là, je suis dans la parcelle, peut-être pas que vous allez reconnaître, mais c'est là où j'ai mis l'engrais en début de vidéo, où j'ai fait des jolies prises de vue au drone. Et donc moi, je suis avec l'Action et j'ai mis le GPS parce qu'en fait, si vous voulez, je fais une montée avec le tonneau. La tonne, elle fait pile poil la montée. Et quand je redescends, donc là, vous voyez, je monte ici et là je vais redescendre sur la ligne d'à côté, comme ça ben, ça évite d'écraser à plusieurs endroits la culture, et là comme ça ben, je sais exactement où le tracteur passe. Donc c'est un sacré avantage là, le GPS, même si je vous l'accorde, il n'y a pas besoin d'un GPS pour faire du lisier avec une tonne à buse, mais bon, on l'a, on s'en sert. Ceux qui disent ça, vous n'avez pas de GPS, et le jour que vous en aurez un, vous comprendrez. Donc voilà, je vous remercie encore pour tous les commentaires de la semaine dernière. Vous avez été vraiment nombreux à m'écrire et à me soutenir dans un peu la démarche, j'ai envie de dire, d'aller de l'avant, de faire voir une belle agriculture. Et de pas, voilà, pas faire voir que c'est non plus tout le temps la misère et qu'il n'y a pas moyen d'en vivre, quoi. Donc je vous remercie pour tous ces retours. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y a eu pratiquement 400 commentaires, je crois. Mais je vous remercie vraiment du fond du cœur, et j'ai lu tous les commentaires, par contre, ça je tiens à le dire. Donc encore un grand merci à tous. Faites pareil cette semaine. Bon, je pense que vous aurez moins de choses à dire en commentaire sur de l'épandage de lisier, mais ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et ben voilà, allez. Vous voyez, je finis de vider ma tonne. Il va se faire bientôt l'heure d'aller traire. Donc on aura fait de nouveau une bonne après-midi pour un samedi. Allez, direction la fosse. Et pour vous, moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut !